Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, vraiment, pour que nous puissions vraiment faire exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Parce que nous avons besoin de cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de sa miséricorde, nous avons besoin que le Seigneur nous transforme et nous permette de marcher selon sa parole. Alors bienvenue aux bien-aimés frères et sœurs qui sont dans le ministère, qui sont sur le fondement des apôtres, qui sont nos frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, je vous le dis souvent, que je vous aime et que je suis condamné à vous aimer, comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens 1, le verset 8. Alors j'aime ce texte de Philippiens 1, 8, que je vais commencer par ce texte avant même de poursuivre aux questions de notre frère bien-aimé Samuel, ainsi que la sœur Aurélie, qui auront et la possibilité de nous questionner par la grâce de Dieu et que nous allons répondre à ces questions. Alors, pas nous, mais la parole de Dieu va répondre à notre place. Nous allons être utilisés seulement comme un instrument pour la parole et qui va permettre à nos bien-aimés frères et sœurs d'avoir cette réponse de vérité biblique. Donc, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1, 8, car Dieu m'est témoin que je vous chéris. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Car Dieu m'en est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc, nous devons nous chérir avec la tendresse de Jésus-Christ, puisque c'est le Seigneur qui a permis à ce que nous ayons cette tendresse de Christ en nous et qui nous permet de chérir les uns les autres. Et par la grâce de Dieu, dans la crainte de Christ, nous avons besoin de cela par la grâce de Dieu. Amen. Donc, Amen. bien-aimé frère Samuel, alors, je vais te demander de reformuler ou plutôt reprendre les questions de tout à l'heure pour que nous puissions continuer sur cette base de questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Amen. En Amen. t'écoutant. La question que on avait déjà abordée la dernière fois, c'était quoi? Je t'avais demandé le verset, je vous avais demandé le verset de les dîmes. C'était quoi exactement les dîmes? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi la plupart des pasteurs nous disent qu'on doit payer un dixième chaque mois alors que c'est pas écrit? Là, tout à l'heure, vous m'avez expliqué en quelques mots. Mais j'aurais aimé qu'on puisse un peu plus approfondir, puisque la sœur Aurélie, elle est là. Moi, j'ai pas j'ai pas le verbe que vous avez pour bien expliquer comme la dernière fois. C'était pour faire un petit récapitulatif. Et la dernière question, c'était à propos du baptême. Et ça, je pense que c'est la sœur Aurélie qui aurait aimé en savoir un peu plus. Aurélie, tu es là? Donc, on aimerait écouter la sœur Aurélie à propos de ces questions. Alors, de ton côté, sœur Aurélie, c'est quoi les questions que tu as pour nous? Moi, je voulais juste savoir, parce que Samuel m'a expliqué la façon qu'on nous a baptisés, genre, on nous a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par rapport au nom, en fait. D'accord. Par rapport au nom, moi, je voulais dire, en fait, parce qu'on ne nous a pas dit les noms, cela veut dire que le baptême n'a pas été bien fait, ou je sais pas. Alors, la question, c'est que le baptême n'est pas. Alors, ce n'est même pas un baptême. Parce que le baptême n'est pas effectué dans un nom. C'est dans un nom propre. Hein? Et deux, personne n'a été, à travers de toute la Bible, baptisé ainsi. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bibliquement, personne n'est baptisé dans cette formule, puisque, alors, d'ailleurs, ceux qui ont reçu la formule de la grande commission avaient compris, puisqu'ils avaient reçu ça du Seigneur, et que le Seigneur lui-même avait révélé le nom du Père, le nom du Saint-Esprit, comme dit dans Jean 17, le verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Tu me les as donnés et ils étaient à toi. Donc,
il a révélé le nom du Père. Donc les apôtres avaient été révélés de ce nom. Donc ils connaissent le nom, ou ils connaissaient le nom plutôt. Donc c'est pour cela les hommes qui viennent d'aujourd'hui dans le ministère ou qui se disent avoir été appelés de Dieu, qui n'ont pas reçu la révélation de la parole, qui ont été étudiés la théologie, ces hommes prouvent littéralement que Dieu ne les a pas appelés parce qu'ils ont recours à une science qui est contre la parole de Dieu, une science qui s'oppose à la révélation de la parole de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un décide d'aller étudier la théologie, c'est que cette personne littéralement est opposée. Opposé à la parole, opposé à la révélation, puisque bibliquement, la révélation de la parole, la connaissance de la parole de Dieu ne s'étudie pas. Cela se révèle. Et c'est par révélation qu'on peut avoir connaissance du mystère du Christ. Donc, clairement, ces hommes nous prouvent qu'ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Donc, pour cela, ils ont recours à la théologie qui n'existe pas bibliquement. Raison pour laquelle qu'ils ont fait ce naufrage dans Matthieu 28, 19, lorsqu'ils arrivent, ils ne savent pas comment effectuer ou bien comment exécuter ou comment accomplir Matthieu 28, 19. Ils baptisent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà, personne n'a jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans toute la Bible. Personne, aucun disciple. Si aucun disciple n'avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question maintenant, pourquoi les hommes d'aujourd'hui se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi? Donc, c'est la question à poser. Imaginez-vous que je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On me pose la question, bibliquement, lequel des disciples avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je n'arrive pas à répondre. C'est grave. Je ne peux pas donner le modèle, l'exemple d'un disciple qui avait été baptisé ainsi. Or, c'est eux qui avaient reçu la recommandation. Et on va plus loin pour me demander, mais frère, dis-moi quel est le nom du Père? Je ne connais pas le nom du Père. Ou autrement, je commence à dire El Shaddai, Yahweh, Adonai, Jéhovah, et j'en passe. Or, acte 4, le verset 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre et en aucun autre nom. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un autre nom. Donc, cela veut dire, il y a un seul nom. S'il y a un seul nom, quel est ce nom? Jésus-Christ dit dans Jean 17, le verset 6, je fais connaître ton nom aux hommes. Donc, ça veut dire, ce nom a été révélé aux hommes. Lesquels? Les apôtres. Donc, cela veut dire que je dois aller consulter les apôtres pour savoir, ou pour plutôt avoir ma part de révélation spirituelle. Et si nous avons besoin de notre part de révélation spirituelle du fondement des apôtres, il nous faut consulter les apôtres. Il y en a qui disent que ce sont les paroles de Paul. Paul a dit je. Paul a utilisé le pronom personnel je ne permets pas, c'est Paul. Je veux vous dire cela. Si vous n'avez pas la révélation que Paul avait et que lui, par l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, Actes 13, 47, 48, nous a transmis cette révélation puisqu'il a été établi l'apôtre des nations. Donc, c'est lui qui nous a enseigné parmi tous les apôtres, celui qui a été placé pour enseigner, pour transmettre le message aux nations, il s'appelle l'apôtre Paul. Donc, si nous ne faisons pas ce qu'il nous a recommandé dans les Écritures de faire, nous n'aurons pas la vie. Et je vous l'ai montré la dernière fois. Alors, pour introduire ce soir le message question-réponse que j'intitule ce soir, nous allons voir est-ce que nous pouvons avoir la vie éternelle si nous ne faisons pas ce que les apôtres et faisait. Si nous ne respectons pas les paroles des apôtres, si nous n'appliquons pas les paroles des apôtres qui étaient des paroles de Jésus-Christ transmises à eux. Je vais reprendre ce texte pour que nous puissions avancer plus devant. Ensuite, nous allons instaurer les questions avec les réponses automatiquement.
Mais d'ailleurs, nous devons terminer avec cette partie de dîme que nous avons commencé, que nous n'avons pas terminée, parce que nous n'allons pas tout mettre ensemble, nous allons prendre étape par étape. D'accord? Alors, voyons voir. L'apôtre Paul dit, alors, laissez-moi dire Jésus d'abord, prenons les paroles de Jésus d'abord. Jésus dit dans Jean 17, au cours de cette prière extraordinaire qu'il faisait, il disait dans Jean 17, le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ce n'est pas pour eux seulement, Père, que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc cela veut dire, pendant que le Seigneur faisait cette prière, il priait pour les apôtres et les disciples. Mais il y a une clause qui nous a inclus dans cette prière. C'est que dans cette clause, le Seigneur a déclaré, le Seigneur a dit au Père, ce n'est pas pour eux, Père, seulement que je prie, mais j'ai prié pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Cela veut dire tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ croiront aux paroles des apôtres. Puisque ce sont les apôtres dans Luc 24, 47 qui vont commencer à prêcher à Jérusalem, ensuite à toutes les nations, et les nations vont recevoir le message des apôtres et ils croiront à ce message à travers les apôtres en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ a placé ses apôtres pour transmettre le message aux élus qui vont croire aux paroles de ces apôtres et qui auront la vie. Donc le Seigneur avait prié pour nous. Donc cette prière n'est pas pour ceux qui ne croiront pas ou qui ne croient pas aux paroles des apôtres. Si vous ne croyez pas aux paroles de Paul, la prière de Jean 10, de Jean 17 n'est pas pour vous. Si vous ne croyez pas aux paroles de Pierre, de Jean, de Jacques, de tous les apôtres, la prière de Jean 17 ne vous concerne pas. Vous faites partie du monde. Vous ne faites pas partie des élus. Parce que les élus sont destinés à croire aux paroles des apôtres. Acte 13, 48 dit. Acte 13, verset 48. Regardez ce qui est écrit ici. Avec cela, vous allez comprendre que pour les femmes, surtout les femmes qui lapident l'apôtre Paul, vous vous êtes en train de vous suicider parce que vous ne comprenez rien du tout. Vous êtes en train de vous suicider parce que vous lapidez l'apôtre Paul. J'ai l'impression si vous l'aviez trouvé à cette époque, à ce moment, ce siècle-là, vous l'aurez déterré et le décapité à nouveau parce que vous avez beaucoup de problèmes avec l'apôtre Paul. Acte 13, verset 47-48. Le verset 47, acte 13, dit quoi? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Alors, laissez-moi je vais vous mettre acte 13, verset 48 pour vous. Acte 13, 48. Regardez dans votre Bible pour ceux qui n'ont pas mon écran. Acte 13, 48. Acte 13, 47, 48. Acte 13, 47, 48. Regardez bien. Je l'ai souligné juste devant vous. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Nations au pluriel. Pour porter le salut. Le salut, c'est Christ. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Point. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifièrent la parole du Seigneur. Regardez la dernière phrase. La dernière phrase dit, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. J'avais dit la dernière fois, je ne vais pas me battre avec quelqu'un pour la parole.
Parce que la Bible est claire. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle coururent. Cela veut dire, ce sont ceux qui étaient destinés à la vie éternelle qui écouteront et qui croiront. Parce que cela leur a été donné. Parce que c'est le dessein arrêté de Dieu. Parce que c'est une nécessité, c'est une obligation de croire quand on est élu. Donc, je n'ai pas besoin de pousser quelqu'un. Donc, si l'apôtre a été établi apôtre des nations, l'évangile que vous avez là, vous l'avez de quel apôtre? Vous n'avez pas l'évangile que vous avez de Pierre, de Jean, de Jacques, non, c'est de Paul. Paul est l'apôtre principal établi pour porter le salut aux nations. Puisque Pierre était placé pour les Juifs. Mais Paul, lui, c'est pour les païens. Regardez bien dans l'écran, regardez devant vous. Claire, c'est en face de vous, je ne l'invente pas. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, vers les nations. Paul et Barnabas. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc Paul est placé pour nous transmettre l'évangile. Donc malheur aux femmes rebelles, aux femmes insoumises. Malheur à ces femmes puisque l'apôtre a été établi pour nous transmettre le mystère, le salut. Maintenant, quelqu'un va vous dire, mais ce sont des paroles de Paul. Paul dit, Paul avait une haine contre les femmes. Vous avez un problème, c'est Paul qui a écrit Éphésiens 5, 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est levé lui-même pour elles. Donc, aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer parce qu'on n'arrivera jamais à expliquer l'amour de Christ pour l'Église. Comment peut-on expliquer l'amour d'un homme pour son épouse? Parce que pour explique l'amour d'un homme pour son épouse, il faut être en capacité d'expliquer l'amour de Jésus-Christ pour l'Église, puisque nous devons aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Enfin, nos femmes, je dis notre femme, nos femmes. Donc, ça veut dire, je n'arrive pas à expliquer l'amour de Christ pour l'Église, donc je ne peux pas expliquer l'amour d'un homme pour son épouse. Donc, ce qui veut dire que l'apôtre, il n'écrivait pas par folie ou par volonté charnelle. Il avait écrit par poussée du Saint-Esprit, parce qu'il avait été forcé. Et comme dit le texte dans 1 Pierre, ce n'est pas par une volonté d'homme, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein? Sachant tout d'abord 1 Pierre le chapitre, enfin 2 Pierre le chapitre 1, 2 Pierre 1, le verset 20-21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, les apôtres ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Maintenant, posez-vous la question. Comment expliquer ça? Nous avons reçu le message de Paul. Si vous avez un problème avec Paul, vous irez en enfer tout droit. En enfer. Ouais, des gens qui disent, moi, c'est Paul, moi, je suis Jésus. Ouais, vous suivez Jésus, mais Paul, lui, il suivait qui? Paul prêchait pour qui? Qui a mandaté Paul? Comme si ces gens, ils ont un problème. Oh, oui, vous suivez Jésus, vous ne suivez pas Paul, n'est-ce pas? Ah ben, jetez les écrits de Paul. Ne les utilise plus. Vous suivez Jésus. Ok, mais c'est terrible. Vous suivez Jésus. Donc, vous ne suivez pas Paul. Donc, ce que Paul disait, enseignait, écrivait aux églises, ce n'était pas Christ. Donc, il n'avait pas l'esprit de Christ. L'ignorance tue, mais la connaissance sauve. Oui, la connaissance sauve. Ok, et bien-aimé Samuel, alors, est-ce qu'on peut d'abord terminer avec le point sur la dîme, et puis ensuite, on prendra le baptême?
OK. Parce que j'aimerais qu'on en termine et que vous soyez clair sur la dîme. Et ensuite, pour le baptême, on va en prendre après pour OK. mettre ce qui. Parce qu'il y en a beaucoup de bien-aimés qui veulent comprendre pourquoi leur baptême n'est, comment dire, ne sont pas des bons baptêmes, n'ont pas été validés bibliquement. Ils veulent savoir ça. Et moi, j'ai hâte de les expliquer bibliquement à la lumière de la parole. Donc, terminons avec la dîme et puis ensuite, on verra. OK. Alors, c'était quoi la question, ce qui, bien-aimé Aurélie, est-ce que tu as une question par rapport à la dîme aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue ou que tu veux avoir plus d'explications ou comprendre plus mieux? Oui, moi, ma question, en fait, c'est de savoir, en fait, ce qui est en actualité et ce qui n'est pas en actualité, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, c'est ça. Parce Exact. qu'on ne parle pas que de la dîme dans la Bible, on parle des offrandes, on parle des... Il y a beaucoup de choses. Effectivement. Oui. Alors, la question est bien centrée de manière globale, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Jésus-Christ, qui identifie ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ce qui est dans la loi qu'on doit observer, ce qu'on ne doit pas observer. Et c'est là qu'il y a une très grande confusion quand la plupart des hommes enseignent la parole de Dieu parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent enseigner ou pas. Ils ne savent pas ce qui est dans la grâce, ce qui n'est plus dans la grâce. Parce que vous avez des points doctrinaux que vous devez maîtriser pour avoir la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est par la connaissance de la doctrine de Jésus-Christ que vous arriverez à sonder en esprit pour savoir s'il est de Dieu. Sans la connaissance de la doctrine de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas sonder en esprit. Vous ne pouvez pas savoir l'origine de cet esprit. Parce que vous ne connaissez pas la doctrine de Jésus-Christ, vous ne connaissez pas comment Christ demande à ce qu'on le serve, à ce qu'on marche selon sa volonté. Et c'est la connaissance de la parole qui nous permet de faire cela. Maintenant, restons dans la dîme par rapport aux questions que eu de nos bien-aimés frères et sœurs. On nous avait demandé, quand ils disent apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. La question était de savoir quand les pasteurs disent. Alors, il y a Dani qui cite le nom des pasteurs et des pasteurs, mais toi, tu connais beaucoup de pasteurs, hein? Tu vas citer les noms de tous les pasteurs dans le... C'est incroyable, hein, Dani? Donc, c'est de savoir les pasteurs. Il faut les taguer, Dani, plutôt. Tu as leur Facebook, donc tu les tagues, tu partages. Tu les tags, partages le live sur des groupes et afin que ces gens puissent se présenter. Et surtout, j'aimerais bien que ces gens me ferment la bouche, au moins de dire ce que je suis en train de dire n'est pas biblique, ou autrement qu'ils changent de message, qu'ils reviennent sur le fondement des apôtres. C'est ce que j'aurais aimé. OK. Donc, dans l'église traditionnelle, vous êtes habitué qu'on vous dise que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et ils disent que vous devez donner la dîme de votre salaire, de vos revenus, chaque mois. Et quand vous les questionnez, les demandant, mais où la Bible a dit qu'il faut que je donne un dixième de mon salaire ou de mes revenus chaque mois? C'est dans quelle Bible? Mais si vous posez cette question à un pasteur traditionnel, ils vont vous donner Malachie 3:10, rien d'autre. Et c'est pour cela que j'avais pris le temps de vous expliquer Malachie 3:10 la dernière fois. Et j'ai été dans Néhémie le chapitre 10, nous avons été aussi dans Deutéronome 14. D'ailleurs, nous sommes arrivés au verset 26 de Deutéronome 14. Et nous avons vu que la dîme n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'argent. Pendant ce temps, il y avait l'argent à l'époque. Pourtant, l'argent n'était pas utilisé comme dîme, puisque la dîme n'était pas l'argent.
Alors, j'aimerais bien qu'en pasteur traditionnel, quelqu'un me dise que la dîme, c'est l'argent. Ou que c'est écrit bibliquement qu'un fidèle doit apporter à l'Église un dixième de son salaire de son salaire chaque mois. Parce que ça n'existait pas tout simplement. Alors, revenons dans Deutéronome 14, là où on était. Et nous allons poursuivre. Alors, n'oubliez pas, bien-aimé Aurélie, bien-aimé Samuel, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment si vous avez une question que vous aimeriez poser. D'accord? Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Et comme ces questions-réponses, je donne le droit aux autres bien-aimés de faire la même chose, de poser les questions aussi pour permettre aux autres de comprendre. Donc, vous avez le droit aussi, vous qui êtes devant moi, de poser les questions aussi. Toutes les personnes, y compris les femmes, je vous autorise à le faire, puisque nous sommes en questions-réponses pour les bien-aimés, parce que nous voulons que tout le monde comprenne la parole claire et nette. C'est très important. Alors, allons-y dans Deutéronome 14. Deutéronome 14, nous étions là et nous allons poursuivre. Et ensuite, nous allons prendre le... Après, quand nous aurons terminé, nous allons prendre le baptême. Alors, nous devions prendre le baptême avant toute chose, mais nous avons commencé par là, donc ce n'est pas grave. Alors, Deutéronome 14, nous sommes au verset 24, 25, 26. Nous avons lu hier. Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Alors, regardez bien, bien-aimé Aurélie. Le verset 24-25, est-ce que tu as bien vu que la dîme, ce n'est pas l'argent? Regardez, si tu veux lire, je te coupe, tu peux lire si tu veux. Est-ce que tu vois que la dîme, ce n'est pas l'argent? Regardez, verset 24-25. On t'écoute, Aurélie. Je te laisse lire toi-même hein, pour que tu puisses voir. Lire toi-même, tu vois voir toi-même. Le verset 24, 25 et 26. Allez-y, c'est Aurélie, je te connais. Deutéronome Allez, 24, Deutéronome 14, c'est ça? oui, Deutéronome 14, verset 24, 25, 14, 26. verset 24, d'accord. 24, Deutéronome 14, verset 24, 25, Deutéronome 26. 14, verset 24. Je lis à 24? Oui, 24 Non, jusqu'au 26. Deutéronome 14, verset 24, oui. Jusqu'au 26. 24 jusqu'au 26. Exact. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Tu continues? Oui, et tu feras quoi avec cet argent? Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Alors, est-ce que tu as vu que la Amen. dîme, ce n'est pas de l'argent? Ouais. Dis-moi clairement, bien-aimé, parce que si tu ne comprends pas, il faut me le dire. Je ne comprends pas, ou je ne suis pas d'accord, ou je ne suis toujours pas d'accord, serviteur. Alors, dites-moi, est-ce que tu as bien compris? Parce qu'on t'a dit que la dîme, c'était de l'argent. Non, non. Donc, est-ce que tu as vu que la dîme, ce n'est pas de l'argent? Est-ce que tu as lu ça? Regardez bien le texte.
Oui, le 25 surtout dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc ça veut Ça dire veut que dire la que la dîme n'est pas dîme, l'argent. oui, puisque tu l'échangeras contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Et c'est incroyable, ça. Oui, c'est Ça veut dire incroyable. qu'on peut échanger la dîme contre de l'argent pour se faire plaisir, en fait. Incroyable, hein? C'est de l'incroyable. Ouais, ça. Mais, moi, je suis un peu perdu, grand frère, parce que le passage, il est clair. Tout à fait. Mais après, je sais pas pourquoi on se pose sur Malachie 3 avant le 10, entre 8 et 10, tu vois. Parce que Malachie, comment ça s'appelle, 3, 8, après, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, on est clair dans Malachie 3, 10, il ne s'agit pas d'apporter un dixième de son salaire chaque mois ou un dixième de ses revenus chaque mois. Mon frère Samuel, tu avais dit qu'ils avaient recommandé que vous apportiez, par exemple, si vous vendez une voiture, vous avez une voiture, vous vendez soit pour acheter une autre voiture, il faut leur donner un dixième du prix que vous avez eu de cette voiture, n'est-ce pas? Oui, Aurélie, tu m'entends ou pas, Aurélie? Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, Voilà, c'est toi. ça que j'ai dit. En grosso modo, tous Donc, les revenus que tu as, en fait, tu enlèves un dixième, que ça soit une tu. voiture, que ça soit, comment ça s'appelle, que ça soit même une transaction, si tu vends un canapé, que ça soit un rideau, que ça soit le travail, que ça soit un gain, une récompense, une prime, en tout. Tout ce qu'il y a d'argent que tu gagnes, que ça soit la journée, le mois, tu dois enlever à chaque fois un dixième dans tout ce que tu gagnes pour donner. Même Mais l'État maintenant, ne vous demande pas ça, même l'État. Donc, ben il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout, du tout. Parce que même l'État ne vous demande pas ça, l'État ne vous demande pas de faire ça. Comment un pasteur peut vous est-ce demander de le faire? Justement, c'est ça la question que j'aimerais poser. Où ils ont trouvé ce paragraphe que dans Aurélie, je sais pas si tu m'entends, mais en fait, où c'est été mentionné qu'on doit enlever un dixième dans tout, même si on vend un canapé, si on nous donne de l'argent. En fait, où c'est été mentionné tout ça pour qu'on se réfère à cette chose-là, en fait? Où c'est écrit dans la Exactement, c'est Bible? ça. Parce que là, le paragraphe là nous explique, hein, le paragraphe qu'on vient de lire dans Deutéronome 14, 24, que la dîme, c'est pas l'argent. Mais si la dîme, c'est pas l'argent, pourquoi on nous dit d'enlever un dixième de nos revenus, c'est-à-dire de l'argent, Tout à alors que la fait. dîme, c'est pas l'argent, en fait. C'est un peu contradictoire, en grosso modo, je sais pas si vous voyez. Tu as des questions dessus, Aurélie, puisque moi je suis un peu confus. Non, juste il faut lire aussi, hein, La parce sœur que Aurélie ne fait que même les versets là qui nous fait lire. Moi aussi, j'ai jamais lu ça. Donc, j'ai lire. Ah. lire jusqu'en bas. J'ai essayé de lire jusqu'en bas, j'ai un peu compris. Tu as compris quoi? Explique-nous, puisque nous on est. Qu'est-ce que tu as compris? On s'était arrêté où? À 26, non? J'ai lu, Oui. tu délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes
et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Alors, je ne suis pas encore arrivé à la fin du chapitre. Je reste là où la dîme n'est pas l'argent. Parce que plus bas, nous allons découvrir notre type de dîme chaque 3 ans. Ça, on était juste dans la dîme de chaque 1 an. OK? Donc, tout cela n'a rien à voir avec l'argent. Donc, l'objectif, c'est de voir, un, la dîme n'est pas l'argent. Deux, ce n'est pas chaque mois. Quatre, ce n'est pas votre revenu, vos revenus ou votre salaire mensuellement. Donc ça n'existe pas. Les apôtres n'ont jamais recommandé aux disciples d'apporter un dixième de leur salaire ou de leur revenu chaque mois. C'est faux. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit. Maintenant, la question, d'où est-ce que ces pasteurs trouvent ce verset? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est ce que j'aimerais un pasteur explique. Si vous connaissez un pasteur, vous avez un pasteur à côté de vous, vous êtes ami avec un pasteur, tag ce pasteur-là, demande-lui de venir vous aider afin que ce pasteur puisse venir nous dire les un dixième de revenus ou de salaire chaque mois, c'est où dans la Bible ils ont trouvé ça? Où? Comment ils ont fait pour arnaquer les gens comme ça? Et les gens ont cru. Et quand ils disent que vous volez Dieu, vous croyez que vous volez Dieu vraiment? Et vous avez peur parce que vous savez que vous allez être frappé par la malédiction. Je ne paye pas ma dîme. Ce sera la malédiction. Si quelqu'un devait être frappé par la malédiction, c'est ce gourou qui allait être frappé en premier. Parce que lui, il ne paye jamais. Ce que vous ne faites qu'apporter vers lui. Mais eux, ils utilisent le verset de Malachie, puis Malachie 3, 8, 10, où le Seigneur dit, parce que ça aussi, moi, on nous a déjà prêché ça dans une église. Ils ont dit Donc, quoi? le Seigneur nous a fait voir que, genre, quand on ne paye pas la dîme, on trompe Dieu. Du coup, on a la dette de Dieu. C'est ça. Donc tous les disciples c'étaient des trompeurs. Ils ont tous trompé Dieu. Il fallait demander à ce pasteur, est-ce que vous pouvez me prouver où est-ce qu'un disciple avait payé la dîme une seule fois? Donc les disciples trompaient Dieu parce que les disciples ne payaient pas la dîme. Oh, personne n'a jamais payé la dîme, comme je disais la dernière fois. Aucun soi-disant chrétien n'a jamais payé la dîme. De l'an 70 à aujourd'hui, personne ne l'a jamais fait. Et si un pasteur traditionnel vous demande de payer la dîme, c'est faux. Personne n'a jamais payé la dîme et ne peut jamais payer la dîme. Les disciples, aucun d'eux n'avait payé la dîme. Les apôtres, aucun d'eux n'avait payé la dîme et n'avait recommandé à personne de le faire. Où est-ce que ces pasteurs trouvent ce verset pour qu'ils arnaquent les gens en leur forçant à payer la dîme? Continuons notre lecture de la dernière fois. OK. Je peux poser une question, Oui, pardon. vas-y. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le Malachie 3, 8, 10? Donc, je reviens sur Malachie 3. Je vais le projeter, je reviens en 14 après. Deutéronome 14 après, on va dans Malachie. OK, Malachie 3, 10. Non, c'est 3, 8, 10. 8 à Ah, 10. 3, 8 à 10. Malachie 3, 8 à 10. 8 à 10. Alors, c'est souligné. Vous pouvez regarder sur votre écran et nous allons lire ensemble et nous allons la compréhension de la parole de Dieu. Alors, Dani, n'oublie pas de partager le live. Hein, bien-aimé, frère Volsi, fais travail. Fais travail, frère Volsi. Partagez sur tout le groupe. Partagez. Alors, Malachie 3, le verset 8, 9, 10. Écoutez bien et regardez dans votre Bible pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de lire. Ne faites pas que écouter sans vérifier ce que je lis. Il faut vérifier pendant que je lis. OK? On y va.
Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur va répondre, dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes, les offrandes. Dîmes au pluriel, offrandes au pluriel. 9. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, virgule, la nation tout entière. Quelle nation? Les enfants de Jacob, au verset 6. Les enfants de Jacob, c'est-à-dire Israël. Parce que ils ont trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Donc la nation tout entière a été frappée. Donc cela n'a rien à voir avec l'Église. Cela n'a rien à voir avec les dénominations des hommes d'aujourd'hui. Ou quand ces hommes vous disent, mais vous volez Dieu. Mais c'est un menteur, ce pasteur. C'est un menteur, je vous dis. Vous avez trompé Dieu en quoi? Quand vous apportez la dîme, vous n'apportez pas ça à Dieu. Vous avez rencontré Dieu où? Dieu était dans un bâtiment et vous avez apporté la dîme à Dieu, mais vous mentez. Quand vous donnez, c'est à Dieu, il faut apporter ça à Dieu, mais c'est faux. On n'apporte rien à Dieu. C'est faux. Le verset 10, apportez à la maison du trésor les dîmes, virgule. Nous nous arrêtons juste la première phrase. Arrêtons-nous juste là. Apportez à la maison du trésor. Les pasteurs expliquent ça tout le temps. Apportez à la maison du trésor les dîmes, les étoiles. Tout le monde connaît ce verset, Malachie 3, 10, que les pasteurs donnent pour justifier le fait qu'ils vous demandent la dîme. Alors, il y a un témoignage d'un bien-aimé dans le chat. Laissez-moi regarder. Et ce témoignage, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, mais c'est tellement beaucoup. J'arrive même pas à lire tout ça. Oh, mais c'est beaucoup ça. Alors, elle a dit, il y a cela 4 mois, mon mari a quoi? Mon mari m'a abandonné avec nos deux premiers enfants pour une autre femme durant cet été, cette époque où j'avais du mal à rejoindre les bouts, par ma grande surprise, j'ai rencontré une ancienne amie dont j'avais perdu le repère. Est-ce que ça concerne ce qu'on est en train de dire, de prêcher, parce que je ne veux pas lire quelque chose qui ne concerne pas ce qu'on est en train de faire. Alors, que quelqu'un qui est dans le chat lise et m'explique si ça concerne ce qu'on est en train de faire, parce que j'ai vraiment pas le temps pour lire tout ça. OK. Donc, apportez à la maison du trésor. À la maison du trésor. La question, j'avais dit, c'était de vous poser de poser la question à ce pasteur. Mais où est la maison du trésor? Qu'est-ce que la maison du trésor? Un, où est la maison du trésor? Et qu'est-ce que la maison du trésor? Parce que comme nous avons regardé la dernière fois, la maison du trésor, c'est dans le temple de Jérusalem. C'est une chambre où ce sont des chambres consacrées à réceptionner les provisions ou autrement dit les dîmes. Tout ce qu'on apporte dans le temple. C'est la maison de Dieu, le chambre de la maison du trésor. Mais le texte a dit apporter à la maison du trésor, c'est pas les maisons. Il y a une maison, une seule maison, la seule maison, la maison du trésor. Il faut apporter la dîme, enfin les dîmes à la maison du trésor. Le texte n'a pas dit chaque mois, le texte n'a pas dit chaque année, le texte n'a pas dit salaire ou revenu chaque mois. Ce n'est pas écrit, regardez. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, donc la maison du trésor, on apporte les dîmes qui sont de la nourriture qu'on apporte dans la maison pour qu'il y ait de la nourriture. Et c'est pour cela, quand on apporte de tout ce qu'on possède. Les denrées, tout ce qu'on fait, on apporte.
Et cela n'avait rien à voir avec l'argent. Absolument rien. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Regardez pour voir. Est-ce que dans le texte, bien-aimé Aurélie, est-ce que dans le texte tu vois revenu, salaire ou bien chaque mois? Non, non. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas salaire, il n'y a pas revenu, il n'y a pas mensuel, il n'y a pas... Non, on a dit les dîmes. Et il faut rapporter ça où? À la maison du trésor. Il faut dire à ce pasteur, autant que vous ne me montrez pas où se trouve la maison du trésor, je n'apporterai plus de dîmes. Il faut me montrer où se trouve la maison du trésor. Où sont les chambres du trésor? Je vais apporter ma dîme là-bas. Et je vais manger la dîme là-bas. Parce que le texte m'a dit d'apporter ça et manger ça de l'autre côté. Mais ils vont te dire à l'église. Voilà, c'est la question que j'allais répondre là. Ils vont te dire c'est à l'église. S'ils disent c'est à l'église. Il faut qu'on aille voir c'est quoi la maison du trésor maintenant. Et c'est où? S'ils disent c'est à l'église, c'est bien. Donc, il faut aller voir là où les disciples étaient réunis. Est-ce qu'ils apportaient la dîme là-bas? Parce que à l'église, c'est quoi l'église d'abord? L'église, c'est un groupe de personnes. C'est un ensemble de personnes qui se sont réunies, qui se sont assemblées. C'est l'église. C'est vrai. Parce que le bâtiment n'est pas l'église, c'est un bâtiment. Donc, la chambre du trésor, c'était un bâtiment. Et elle se trouvait dans le temple. Maintenant, si la maison du trésor se trouve dans le temple, maintenant, où sont les sacrificateurs? Où sont les sacrificateurs? Parce qu'il faut que j'apporte ça au sacrificateur. Maintenant, est-ce qu'il va dire que je suis le sacrificateur? Il ne peut pas être le seul sacrificateur parce que Apocalypse est clair. Nous sommes des sacrificateurs. Donc, c'est-à-dire, si je dois porter la dîme parce que vous êtes sacrificateur, pasteur, donc pour cela, je garde la dîme pour moi. Parce que la Bible a dit que je suis sacrificateur. Hein, c'est ce qui est écrit. Hein? Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 6, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous formons un royaume. Donc, si nous devons porter la dîme aujourd'hui, c'est aux sacrificateurs. Si les sacrificateurs aujourd'hui, c'est nous sommes tous des sacrificateurs, donc nous devons apporter la dîme à nous-mêmes. Par conséquent, nous devons manger notre dîme nous-mêmes. Donc, nous n'apportons pas de dîme à un homme. Un, s'il dit que c'est l'église, il est mal barré. Parce que l'église, ce sont les gens qui sont dans les assemblées. Donc, tu vas apporter ça à tous les gens dans le bâtiment. Il faut distribuer. Bon, ok, ils vont accomplir au moins acte 1er, le verset 1, 2. Donc, parce que si c'est à l'église que je dois apporter ça, donc pas de problème. J'attends que l'église soit réunie. Je vais distribuer ce que j'ai à tous les gens qui sont dans l'église. Parce que c'est l'église que je vais apporter là. Peut-être qu'il va vous dire, non, c'est pas les gens, non, c'est le bâtiment là. Ah, le bâtiment. Parce qu'il faut les tourner, il faut les tourner comme ils vous prennent pour des imbéciles. Montrez-les que vous n'êtes pas imbéciles, c'est eux, les imbéciles. Parce que quand il va vous dire qu'il faut apporter, oui, c'est l'église, la maison du trésor. Ok, pasteur, pas de problème, où sont les sacrificateurs? Ok, pasteur, pas de problème, où sont l'église? Parce que l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont assises dans ce bâtiment qui sont l'église. Donc, je dois apporter ça à toutes les personnes qui sont assises dedans. Pas de problème. On vous demande de venir peindre l'église. Vous n'attendez pas que l'église soit vide, le bâtiment soit vide pour peindre l'église. Parce qu'on vous dit de peindre l'église. Vous attendez un dimanche, comme c'est le dimanche que ces gens se réunissent. Un dimanche matin, vous venez, vous commencez à peinturer tous les gens qui se sont assis. Et qui se sont assis dans ce bâtiment,
S'ils vous disent, mais qu'est-ce que vous faites, frère? Le pasteur m'a demandé de venir peindre l'église. Donc, comme c'est vous l'église, je suis venu de vous peindre. Donc, je vais vous battre, je vais vous pétiller avec de la peinture partout dans votre visage, parce que c'est vous l'église, bibliquement c'est vous l'église, c'est pas le bâtiment. Il m'a pas demandé de venir peindre le bâtiment, mais il m'a demandé de peindre l'église. Comme je sais bibliquement c'est vous l'église, je suis venu vous peindre. Ou si je dois apporter la dîme, je viens à vous, je vous apporte ma dîme, parce que c'est vous la maison, c'est vous l'église, comme le pasteur dit, c'est vous l'église, donc la maison intérieure c'est vous, je vous apporte ma dîme. Et le pasteur ne peut pas vous obliger à lui remettre la dîme. Parce qu'il n'est pas le seul sacrificateur. Parce que nous formons un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 1:6. Donc, Malachie 3:10, mes bien-aimés, n'a rien dit concernant de la dîme qu'on doit donner chaque mois ou chaque... Bon, comme c'est chaque mois, eux, ils disent chaque mois. Donc, il n'y a pas de provision. Moi j'aimerais bien, pasteur, justifier la dîme. Mais comment ils font pour justifier la dîme? Ils disent quoi? C'est Malachie 3:10. Et après Malachie 3:10, ils donnent quoi d'autre? Rien du tout que Malachie 3:10? 3:8-10. 3:8-10. Ouais, un homme, un homme, ton petit Dieu. C'est juste dans ça, hein. Mais le Dieu parlait à qui? Mais déjà, il faut lui demander prochaine fois. Parce qu'il ne faut pas commencer au verset 10. Il faut commencer au verset 6 à 10. Parce que si on tombe Dieu, on doit savoir qui tombe Dieu. Ce n'est pas moi qui tombe Dieu. Je ne tombe pas Dieu. Hein? Il faut commencer au verset 6, bien-aimé. Mais quand vous commencez au verset 10, hein? il va vous traîner dans... Il faut commencer au verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consommés. Donc, c'est-à-dire, Dieu parle consumé. Dieu parle aux enfants de Jacob. Si quelqu'un trompe Dieu, ce sont les enfants de Jacob, ce n'est pas moi. Les enfants de Jacob, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Regardez dans le texte. Malachie 3, 6. Depuis le temps de vos pères, mes pères ne donnaient pas la dîme. Mes pères ne servaient pas Dieu. Mes pères, mes grands-grands-grands-pères ne servaient pas Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas tromper Dieu dans les dîmes parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Mes grands-pères n'avaient pas les ordonnances de Dieu. Vous ne les avez point observés, mes grands-pères n'avaient pas les ordonnances de Dieu. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Ils ne peuvent pas revenir à Dieu, ils n'étaient pas à Dieu avant, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Voilà maintenant un homme, trompe-t-il Dieu? Avec qui il parle? Les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Qui? Les enfants de Jacob ont trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Qui? Les enfants de Jacob. Et vous me trompez. Qui? La nation tout entière. Regardez, là, il n'est même pas écrit les nations. La nation. C'est la nation tout entière qui tombe Dieu. Ce ne sont pas les nations. Parce que vous voulez m'accuser à la place des enfants de Jacob. Dieu parle aux enfants de Jacob et vous dites que c'est moi, parce que... Donc je dois apporter la dîme à Dieu. Je ne connais même pas la maison du trésor où ça se trouve. Qu'est-ce que la maison du trésor? Et il n'y a plus de sacrificateur. Comment je vais apporter ça au sacrificateur puisqu'il n'y a plus de sacrificateur? Comment je vais pouvoir apporter la dîme? Mais dans Malachie, dans Deutéronome 14, le plus important, c'est que nous devrions manger la dîme. C'est vrai. Nous devions manger la dîme. Donc, si nous devons manger la dîme, donc là, il y a un autre problème, pasteur. Il y a un autre problème. Bon, je dois manger la dîme, mais il y a un problème grave. Hein? Il y a un problème grave, très, très grave, parce que je dois manger ma dîme.
On y va, on va lire. C'est On est vrai? dans Deutéronome 14, 22. C'est là Attends, le je gros marque tout problème. ça là. C'est là le gros Ah non, problème. mais c'est ça en fait, c'est quand on manque de connaissances, on peut nous balancer un verset et franchement, ça fait mal au cœur, hein, puisque moi, pour moi, je pense que c'est des hommes de Dieu, mais bon. Est-ce qu'ils le savent vraiment ou est-ce qu'ils le font exprès en fait? C'est ça la question, peut-être qu'eux aussi, ils ne le savent pas. Non, Je sais pas, ils mais s'ils savent. le savent pas, c'est encore grave, puisqu'ils sont pasteurs. Bien-aimés, je vais vous expliquer. Nous qui sommes sur le fondement des apôtres, pour prêcher l'évangile, ça nous demande beaucoup de sacrifices, puisque nous devons investir nous-mêmes dans ce message. Au lieu de demander à des personnes, à des gens que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas des saints en Christ, nous investissons nous-mêmes. Donc, parce que nous savons ce que dit la parole de Dieu. Et ça fait que nous souffrons beaucoup. Mais eux, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, recommandés par Dieu, ils ne pensent pas à toutes ces choses. Parce qu'ils ont pour Dieu, comme dit l'apôtre, leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ce n'est pas faux, c'est la vérité. Quand ils prélèvent la dîme, parce que cela les aide. Imagine qu'un pasteur qui construit sa maison, où il va acheter les matériaux pour construire sa maison à Dubaï. Est-ce que être pasteur, ce n'est pas une bonne chose? C'est Ah, c'est intéressant, bon, c'est un bon business, c'est très rentable ça. Vous imaginez, j'ai tellement de l'argent, je ne peux pas acheter les matériaux au pays, je vais à Dubaï pour acheter les matériaux pour construire ma maison. Donc, je suis passé, je suis resté assis, je ne travaille pas. Vous apportez un dixième de votre salaire chaque mois pour moi. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis déjà au paradis? Ça, on ne peut pas dire que Christ n'est pas mort. Pour moi, Christ est mort. Oh, mais je suis trop à l'aise. Imagine que, en tant que ministre de l'Évangile, je passe toute une journée à travailler, mes pieds me font mal à travailler. Oh, j'ai la possibilité de m'asseoir, de rester chez moi sans rien faire, et que vous m'apportez un dixième de votre salaire, vous allez sortir 5 heures, je ne sais pas quelle heure, vous sortez le matin pour aller travailler, vous devez me donner un dixième de votre salaire chaque mois. Et je vous dis que si vous ne me le donnez pas ça, vous trompez Dieu, vous allez être frappé par la malédiction, et vous croyez ça, et vous me donnez ça. Je ne suis pas un homme heureux. J'achète ma maison, je ne sais même pas d'où vient l'argent. Je change de voiture quand je veux, mais franchement, cet homme, Dieu, Jésus-Christ est mort pour lui. Mais vous là, les misérables, les pauvres là, Jésus-Christ n'est pas mort pour vous. C'est pour cela que ce pasteur vous dit que la pauvreté est une malédiction. Parce que c'est vrai, pour les différencier entre vous et lui, que lui, il est un intelligent et que nous sommes des imbéciles. Parce que regardez, la pauvreté est une malédiction selon eux. Ils sont riches, vous êtes pauvres. Et qui le rend riche, ce sont vous. Vous les pauvres, vous rendez ces gourous riches. Maintenant, ils vous traitent de pauvres, comme les impérialistes, qui traitent les pays des pays pauvres. C'est vrai. Pendant ce temps, ce sont les ressources de ces pays pauvres qui les rendent riches. Maintenant, ces pays qui sont pauvres, s'ils disent plus de relations avec ces pays qui disent qu'ils sont pauvres, ces pays riches là tombent en défaillance. Tombe en pauvreté C'est vrai. totale. C'est pour cela qu'ils vont faire tout pour garder ces pays pauvres sur les crapauds, sur les mains, afin de continuer à les sucer, à les absorber financièrement. Et les pasteurs traditionnels font la même chose. Quand les gens disent que les blancs nous apportent l'évangile, nous apportent une Bible, les blancs ne nous apportent pas l'évangile parce que les blancs n'ont pas de l'évangile. Enfin, pas tous les blancs, mais la plupart. Parce qu'on dit au temps de l'esclavage qu'ils nous ont apporté une Bible pour nous appauvrir, mais c'est faux, totalement faux. Vous êtes ignorant, vous vous laissez berner, parce que Christ ne vous a pas appelé. Mais personne n'a... Qui a l'évangile de Jésus-Christ? Si ces hommes avaient l'évangile de Jésus-Christ, ils n'auront pas profité de vous comme ça. Ils ne vous abuseront pas comme ça. Non, il n'y aurait pas ça. Parce que dans l'évangile de Jésus-Christ, sur le fondement des apôtres, le plus pauvre,
C'est l'apôtre. C'est l'apôtre qui est le plus pauvre. Parce que ce ne sont pas les brebis qui nourrissent le berger. C'est le berger qui nourrit les brebis. Donc, s'il peut y avoir quelqu'un qui n'arrive pas à manger, c'est le pasteur. Ce sont les apôtres. C'est ce que j'ai vu dans ma Bible. Maintenant, au lieu que le brebis soit riche, soit bien nourri par ce berger, ce sont les bergers qui sont bien nourris par les brebis et les brebis sont devenus pauvres. Regardez ce que l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, regardez, je vais le mettre pour vous parce que je vais revenir sur... Bon, je vais le dire, laissez-moi laisser le Deutéronome. 1 Corinthiens 4, lisez dans votre Bible, quand vous avez ça sur votre écran. Vous allez voir si je suis en train de vous mentir ici. Regardez, 1 Corinthiens 4, c'est le pasteur là qui doit être le plus pauvre ici. Quelqu'un qui ne peut pas manger, c'est lui. Parce qu'il doit rester, il doit rester affamé pour nourrir l'église, pour nourrir les brebis. 1 Corinthiens 4, le verset 9 a continué. Regardez ce qu'il a dit. Je comprends beaucoup de choses. Le verset 9, vous allez, ce n'est que le début, mon frère, ce n'est que le début. Le verset 9 a continué. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres. Regardez, regardez le texte. 1 Corinthiens 4, 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, l'Église, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, Église, vous êtes forts. Vous êtes honorés, Église, et nous sommes méprisés en tant qu'apôtres. Jusqu'à cette heure, nous, apôtres, souffrons la faim. Hein? Nous souffrons quoi? La faim. Est-ce qu'un homme d'aujourd'hui qui se dit apôtre très puissant, célèbre, peut prononcer ces paroles? Puisque lui, il est l'homme le plus riche.